On se retrouve pour la suite de mon journal intime. Vous le savez peut-être, je l'ai retrouvé et j'étais une grosse zinzin, une grosse malade étant petite. J'écrivais toute ma vie, mais vraiment toute ma vie sur au moins 5 ou 6 carnets. Et bah là, on va le redécouvrir ensemble. Lundi 24 décembre 2018, 21h. On est content de le savoir, Anna. Coucou, donc désolée, ça fait assez longtemps que je ne t'ai pas écrit. Donc en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Là, je suis en stress parce que je sais pas si j'ai réussi mon éval de maths. Oui, donc en 2018, j'avais des très très gros problèmes dans ma vie au final. Il faut avouer que le collège n'est pas comme je l'imaginais. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a que moi qui vois les choses de cet angle. Mais bon. Bon, salut, bisous! En gros, là, j'allais déménager dans l'appartement dans lequel je suis actuellement. Et j'ai fait un plan de ma chambre de rêve. La nouvelle chambre que j'aimerais. On peut voir que je savais écrire au final. Alors, nouvelle armoire... étagère, jusque là c'est assez crédible. Bureau, parquet, oui. Nouveau tapis, oui, enfin je voulais la même chambre quoi. Mes amis sont en train de m'organiser une fête surprise, même si elles ne savent pas que je sais. Ah, mes copines de 6ème, j'étais au courant, j'avais cramé la surprise. Et ma chambre ressemble à ça. Oui, donc je pense que c'est très ressemblant au final. Une nouvelle vie positive. Voilà, il y a encore des pages et des pages, mais bon, je m'arrête là pour l'instant. J'ai retrouvé mon journal intime. En réalité, je l'avais pas du tout perdu, mais j'ai décidé de vous partager un peu. Toute mon enfance, j'ai écrit dans plein de journaux, je sais pas. Celui-là est celui qui est peuplé du plus de souvenirs. C'est parti, il commence par une petite photo de moi. Belle gosse, avec mon petit blaze sur le mur, 2018. Ce journal s'appelle Greta. Et s'il se perd, veuillez le rendre à sa propriétaire, moi. Anna! Ce qui est bien, c'est que je forçais pas du tout avec les autocollants. Ce que j'aime, la gym, l'odeur de l'essence, premier papa et maman et Noé. J'ai toujours été une fille très famille. On me dit à l'oreillette que le prénom de mon frère a été déplacé dans ce que je n'aime pas. Écoutez, une petite peste. Les vacances d'été sont passées mais je n'ai pas pu t'écrire, mais me revoilà. DSL, I love été. Une nouvelle année commence, la 6ème. Yeah. Est-ce que je peux vous assurer qu'il n'est pas fini et que j'en ai au moins. Bon les gars, petit vlog qui à la base devait être une journée, mais au final j'ai filmé à peu près la moitié de ma semaine. Donc bon, là nous sommes dimanche soir il me semble. Donc je me suis douchée et je vais venir me sécher les cheveux pour me coiffer. En vrai il y a rien de très intéressant, je vais juste me coiffer. En fait je vais me lisser, je ne sais pas que j'ai fini. Je sèche, voilà, allez, sèche. Voilà, donc là mes cheveux sont séchés et je vais venir me laver les jambes. Tout à cause de la chaleur, je suis courbaturée de malade et il y a plus l'eau fraîche qui me décourbature. Très satisfaite de mon action. Je ferme pour au final rouvrir mes rideaux, j'allume ma lumière et je me mets en mode chill. Vu que j'ai super mal aux jambes, bah je mets mon ballon. Là, on est le midi, donc je rentre pour manger à la maison. Je fais un petit outfit, petit jean, petite chemise, voilà, je mets bien ma tenue d'ailleurs. Au final, vu qu'il faisait tellement chaud, je me suis attachée les cheveux. Et voilà, et je vais me changer. Voilà, parce qu'il faisait vraiment très très chaud. D'ailleurs j'aime bien ma tenue aussi, purée. En fait c'est pas du tout une semaine avec moi, c'est genre juste 2 jours je crois. Là on est le... Là on était le mardi, j'aimais bien mon make-up. Coucou, bon les gars, petit... C'est une blague la nouvelle mise à jour TikTok. Je viens de faire un TikTok où j'essaie toutes les robes de bal que je pourrais mettre à mon bal de fin d'année. Et tout s'est supprimé alors que j'avais tout enregistré genre. Lol. C'est une blague la nouvelle mise à jour. Coucou, petit vlog canicule. Il fait... pas archi chaud, il est 26 degrés, mais je vous jure que le ressenti doit vraiment être de 30-31. Du coup, bah, je me suis mis en robe. Jean, ça aurait été vraiment genre pas possible. Et je vais tester le ressenti. Non, franchement, ça va. Là, c'est... En fait, non, c'est parce que dans mon collège, il fait hyper chaud, genre vraiment. J'ai une flemme, mais une flemme intergalactique de retourner en cours après-midi. C'est horrible, mais bon, on va quand même y aller. Ça y est, il me reste un peu plus d'une semaine. Même dehors, j'avais super chaud. Et au final, je rentre chez moi pour me mettre sous la couette. Un peu un cas, cette fille. Bon, bah, ce vlog est inutile, mais bon, je vous le mets quand même, puisque, bah... On est inutile. Coucou. Ok, mes amours. Je voulais trop dire ça, puisque tous les bêtes de TikTok, elles disent... Bon, mes amours.
Mais ça va pas être ma tête, je pense. Quels sont les refs? J'ai clairement Night by Night in my house. Elle est où là? Ah, elle est là. Un peu d'intimité quand même, voilà. On n'aimerait pas une autre. One life. Je veux tester un truc que j'ai vu sur TikTok d'une fille. Je n'ai pas son truc, enfin j'ai skip et je me suis dit purée, elle était trop belle cette fille. Du coup, alors, elle faisait un truc sur ses lèvres, elle faisait un crayon. Après, elle faisait un baume à lèvres que j'ai. Je me suis dit, mais genre, j'ai tout ce qu'il faut, pourquoi ne pas tenter au final? Je sais pas où est-ce que j'ai foutu mon crayon à lèvres. Ça, c'est le petit problème de la night. Où tu es? OMG, j'ai trouvé! Ok, on va faire méthodiquement. D'abord, faut juste faire le contour des lèvres. Du coup, on fait ça. Je vais reprendre avec ses faits, parce que bon, pas que ça à faire de tout filmer. Si j'ai clairement que ça à faire. Ok, vous êtes en x2. Vous allez voir. Vas-y, joue, les gars. Mais en 1, parce qu'en gros, regardez. Pour toutes les make-up artistes, là, dites-moi. Regardez, c'est un Kiko comme ça, sauf que, oh. Il fait un. Non, il est bien présent. Attendez, peut-être qu'il faut le tailler. Ah ben, quelle idiote. Petit hack, pour ceux qui ne savaient pas. Enfin, peut-être moi, que moi qui ne savais pas, mais genre. Vous voyez ça? Bim. Et maintenant, regardez. Ça le fait! Yes! Maintenant que je ressemble bien à Jessica des Marseillais il y a 5 ans, on peut commencer à faire un truc. Ok, la fille du TikTok. Attendez, par contre, là, j'ai trop dépassé. Et genre, elle est tombée un peu, genre, elle est ça. Voilà. Ensuite, la fille, elle prenait. Quoi? Elle prenait son anti-cerne et elle mettait là. Du coup, je vais faire pareil. Je sais pas, servir à quoi, ça, ça. C'est peut-être pour faire un petit effet swag, hein. Je connais rien. Fun fact, ça n'a rien changé. Oh, quoique! Ensuite, la fille, elle a pris ce moment à lèvres, elle a dit que c'était le meilleur, et comme par hasard, je l'ai. Donc, est-ce qu'elle voulait dire par là que j'étais la meilleure? Oui. Et du coup, bah, elle dit qu'elle le met, quoi. Ouh, bah, enfin, elle était super belle, mais moi, je suis dégueu. Après, elle met un gloss, et c'était magnifique, mais moi, là... ça ressemble plus à rien qu'autre chose, quoi. Bon, update, son tuto était plutôt cool, mais je suis dégueulasse. Voilà, je peux aller me recoucher, c'est super. Yes! Oui, les gars, j'ai 14 ans. Je suis en 3e, je passe le brevet cette année. Je suis une 07. Voilà. Je suis allée plein en mode... OMG, mais c'est... OMG, genre elle passe le brevet, mais genre, elle a pas 18 ans ou 19 ans, mais genre... C'est vrai que je suis relativement grande pour mon âge. Je fais 1m67. Et ouais, madame. On prend comme comparaison un déodorant Ushuaïa. Je fais mon petit effet, quoi. Avec une bouteille à gaz ou quoi? Non, ça en gros c'est genre un petit pchit. Pas dans l'excès. Avec la canicule. C'est 22 degrés, hein. Surchauffe, je te dis pas quoi. Mais toujours dans l'excès, Anna. T'as mangé ton yaourt avec le nez? Rigoler. De toute façon, rire à bien qu'il rire le dernier. Lundi suivi, il est de 46 degrés. Okay. Donc je préfère être comme un yaourt sur pâte qu'être un bacon sur pâte. C'est clair? Voilà. Madame, c'est une blague en fait. C'est une grosse blague. Nous, on passe pas sur le brevet sous 32 degrés, en fait. Peut pas décaler. Le corps, il a besoin de température ambiante, d'eau, de respirer. Si j'ai on zéro, s'en fout. C'est parce que, en fait, la température sera élevée, c'est clair. Juste pas révisé, en fait. Mais rien à voir, en fait. Rien du tout. Tous les enfants, cette année, exceptionnellement, il y aura un bal de fin d'année. Mais non. Comme au stage, genre bal de promo comme au stage. Exactement, donc en robe et costard. Oh, trop bien. Trop cool, stylé. Trop bien. T'es quoi, Anna? Non, mais meuf, je cherche ma robe de bal, là. Regarde, elle. Enfin, c'est un bal, pas un club de striptease, hein. Bah, elle, un décolleté comme ça. Elle est ici, un peu en dessous de la fesse, échancrée, paillettes, transparent, tout ce qu'il faut. Parce que c'est bien beau, hein, toute l'année, tout le monde m'a vu là, en jogging au cours de maths. Mais moi, je veux qu'on me voit en bomba latina, c'est ouais. Oh, moi, je prends le coca. Ah, l'oasis. Et toi, Anna? Grenadine. Ah, cool. Ah, c'est pas une blague. Ah, non. C'est bon, on n'est pas à la kermesse. Moi, que du Jack Daniels, du Jet, de l'alcool, que... Eh, il faut être défoncé, ok? Eh, c'est... Ah, tu fais pitié, ma soeur. Du coup, moi, j'avais une petite liste de musique. Ah, vas-y, ouais. Yeah. On y va entre copines. Mathieu, tu veux bien être mon cavalier? Tous les enfants cette année exceptionnellement. Oh mon dieu, j'ai découvert le secret de l'année.
n'invente rien quand je dis qu'on s'est toujours tous demandé la lumière du frigo, mais elle s'éteint pas, et comment elle s'éteindrait? C'est... waouh! J'ai trouvé sur mon frigo l'arme du crime. Je cherchais un truc à manger, et là, je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Bim! Boop, 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 boop. C'est super ingénieux, puisque du coup, on va venir fermer la porte, et bah, ça va appuyer sur le bouton qui va éteindre la lumière. Mais waouh! Vous allez voir. Vous me croyez pas? Maintenant, vous me croyez? Waouh! Je savais qu'il s'éteignait, mais je savais pas comment. Et j'ai... pour moi, c'était une légende urbaine, c'était pas sûr. Maintenant, je suis... waouh! Estomaquée. Hey, laisse tomber, meuf, je suis à la cambrouse. Pas bon, non? On est où là en fait? Parce que moi, j'ai ramené des maillots de bain, c'est pas pour aller me baigner dans le lac du coin. On est au camping d'Avignon! C'est une... meuf, je te laisse, ils m'ont ramené au camping. Oh, l'angoisse! Ouais. Frais, la nature, c'est cool! Ça sent le crottin, il y a des moustiques de partout. Ah, dégoûte. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous serez où, le spa? Ah, tu dois être Anna! Bon, il n'y a pas de spa. Compte les gosses que tu gardes, ils sont là-bas. Et bonne chance. Le dernier animateur a démissionné. C'est pas trop tôt, c'est toi qui nous gardes. Elle est belle cette année, l'animatrice, hein. Bien vu. Je te laisse, meuf. Excuse-moi, mais t'as quel âge? J'ai 9 ans et demi. Moi, j'ai 9 ans. Moi, je dois les garder. Ouais, c'est ça, ouais. Je leur fais des petites activités, hein. Ok, super. Moi, j'ai envie d'aller à Claire's avec mes copines. Enfin, revenez, meuf, je fais quoi? Laisse tomber, meuf. Babes, je vous aime trop. Parle à nous que tu parles. Elle parle à nous. Lola. Oui, wesh, ma classe. Eh, trop de souvenirs avec vous cette année, vous allez trop me manquer, vraiment, genre. On fait une photo de classe, les gars. Oh, y'a pas de soucis, mais vite. C'est vous. Aïe. Lola, tu me caches. Encore une? Cache tout le monde. Oui, bah, je sais pas, y'a un peu plus de prestance, ma soeur. Oh. Encore une. Un discours parce que bah genre bah là c'est un peu la fin de l'année, on se reverra plus, nanan. Bah vous m'avez tous beaucoup apporté. Bah par exemple Églantine, tu m'as apporté des bonnes notes. Maëlys, tu m'as apporté bah mon jus de pomme tous les matins. Timéo, bah c'est entre nous. Coucou les gars. Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know. Die for me. Ouais, meuf, t'as vu notre classe? Éclatée au sol. Que des vieux gens, je peux pas me les voir, ils sont gênants tous. Cette année va être nulle, classe nulle. Okay? Clairement, je suis devant le collège là. Ouais, vas-y, j'arrive. Anna, Maëlys, vous venez sur la photo de classe? Là, non. Non, mais en fait, on n'est pas amis, vous avez pas capté? Eh mais vraiment, ils sont tous gênants, je ne peux pas tous me les voir, vraiment, genre vraiment, je peux pas les voir. Clochard. Cette année, meuf, on leur parle pas, nous de notre côté, eux du leur. Un peu les faux culs quand même. Coucou ma classe préférée. Wesh Anna. Coucou Mala. Léo. Wesh. Et Mathieu. D'ailleurs, salut. Faudra que je te rende ton suite. Ah ouais, bien vu. J'ai dégoûté que ce soit la fin de l'année. Vraiment, vous allez tous trop me manquer. Eh les gars, cette année, on avait la meilleure vraiment. Classe. Ouais les gars, ça vous dit qu'on fasse un goûter pour, bah, pour célébrer la fin de l'année, vu qu'on se verra plus jamais, bah... voilà, ça vous dirait pas un petit goûter ou vraiment qu'on se fasse un truc tous ensemble, genre? Dis-toi, avant, on n'aimait pas les gens de la classe, genre. Vraiment, et je regrette de ouf de pas avoir profité de la classe, hein. Mais c'est tellement. Des bons. Ouais, meuf, t'as vu notre...